Exactement, c'est ça, ça doit être les clipotes. Tov Boker Tov, Bechem Hashem, Naseh V'Nasliach. On est aujourd'hui le mardi 16 août, Be'ezrat Hashem Yud Bet Be'av. On souhaiterait une très très grande Hatzlacha et une grande Bracha Be'ezrat Hashem pour toutes les familles. Anaël Bat Or Eli, Ruben Ben Or Eli, Michael Ben Gini Nejma, Or Eli Bat Mezala. Be'ezrat Hashem, Bracha, Hatzlacha, Be'alvacha. Et Be'ezrat Hashem, que vous soyez remplis de Simcha, Refoua Shlema aussi pour tous les malades d'Israël ou Bichlala, Chana, Gila, Bat Simcha, un bon zibouk pour Yonatan Ben Chava, Shem Shmuel, une grande réussite pour Yirmiou Jérémy, Ben Myriam, Koska, Jacqueline, Ben Aroche, Martine Vaillant, David Attar, Yitzhak Bouskila, Pnina Ilouz, une grande réussite pour tous ces gens-là qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous regardent. Vous êtes très très nombreux partout où vous êtes dans les mariages. On me dit on regarde vos cours, on regarde vos cours. Il y a 193 pays qui regardent les cours aujourd'hui, grâce à Dieu. Et Be'ezrat Hashem, si cette Torah est aimée, c'est tout simplement parce que c'est celle de nos sages. Je ne fais passer que le message. Be'ezrat Hashem. Et un grand, grand Mazel Tov à Mishpachat Sebag, Mishpachat Tzarfati. On a eu le mérite de marier hier un couple exemplaire qui se marie à peine à leurs 19 ans. Et Baruch Hashem, une Kala qui rentre pure sous la Choupa, un garçon qui rentre avec une grande confiance en Hashem sur la Choupa. Et c'est la solution. Il faut savoir que Ben Shmona Yisrei la Choupa, la Gemara nous dit en Maseret Avot, à 18 ans, on se marie. Et les gens égoïstes, qu'est-ce qu'ils disent? Non, laisse-moi d'abord voyager, laisse-moi d'abord visiter le monde. C'est de l'égoïsme. Le mot Chai, en hébreu, s'écrit Yud Chet. C'est Chai qui veut Yud Chet, 18. Ben Shmona Yisrei la Choupa. Quand tu veux vivre dans le judaïsme, c'est le jour où tu te maries. Le jour où une personne se marie, elle est considérée comme étant, maintenant, s'engager dans la vie, dans ses responsabilités, ses engagements. Be'ezrat Hashem. Et pour ceux qui disent, il devrait apprendre à se connaître, je rappelle que la majeure partie des gens qui divorcent sont des gens qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont même vécu en concubinage avant le mariage, et ce n'est pas du tout une garantie pour rester marié. La reine, comme je l'ai dit hier pendant la choupa, Be'ezrat Hashem, que cela serve d'exemple pour tout le monde, dans cette génération, au moins quand tu es marié, tu as une adresse, Be'ezrat Hashem, à la maison d'une femme qui t'attend, de partager quelque chose, de t'engager dans tes mots et d'engager dans tes gestes, Be'ezrat Hashem, et surtout de ne pas fauter. Alors bien entendu, ce n'est pas le but ultime du mariage, on ne va pas se marier parce que le mec ne veut pas fauter. Ah bah, il faut savoir une chose, que si on devait en arriver jusqu'à cette réflexion-là, alors oui, il faut vite trouver son zivoug et se marier le plus tôt possible. Il y en a un autre qui m'a dit, enfin bon, pour la parnassa, comment ils vont faire? Moi, je connais plein de gens qui ont 50 ans, qui n'ont pas de parnassa, sont mariés depuis 30 ans. Excusez-moi de vous le dire. Donc, si c'est ça, toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles tombent toutes à l'eau. Chez chacun, son mazal, et à Kadosh Baruch Hu, pour tout le monde. Voilà. On était hier, on avait commencé dans le Likutei Moharan sur la Simcha. J'aimerais juste finir ces quelques paragraphes qui nous restent pour... nous remonter le moral, on avait dit, après Tisha B'Av, parler un petit peu de joie. Donc, Rabbeinu nous dit comme ça, et il nous dit, « Al-Ede Simcha Zochim Nechidush Daoraita » Non, juste avant. « Al-Ede Nigun B'Simcha Yochidim Lishpoch Secho Chamaim L'Nochar Pene Hashem » Grâce à la mélodie, une personne qui chante, une personne qui, Be'ezrat Hashem, se met en condition, pourra tout simplement verser ses discussions vers le Créateur du monde, Alken Al-Yede, Shesmechim Bechol Ayom, Yochanim Foresh Sichato Bitbodedut Karaou. Et pourquoi la Itbodedut, des fois, on n'a pas l'impression qu'elle marche? Il dit parce que ce qui donne de la force à la Itbodedut de parler à Kadosh Baruch Hu, c'est le fait d'avoir été sa mère toute la journée. Oh, on nous donne un chidouche. Il dit, la Itbodedut demande une préparation. Et la préparation de la Itbodedut, c'est d'avoir été capable d'être sa mère toute la journée. Si tu as été heureux de ta journée, tu peux faire ta hit bodedout karaouille, de façon digne. Allez, c'est Simchas Zochim Lechidushé Doraïta. Quand on veut étudier la Torah et être capable de faire soi-même des chidushim, il faut avoir de la simcha. Vous avez compris que tous ceux qui nous ont commenté la Torah étaient tous, des gens particulièrement heureux. Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous dit que la simcha est la condition d'être capable de l'echadesh chidushim batorah. Est-ce que le remède, ça voudrait dire... C'est une des raisons, d'ailleurs, si je peux me permettre de te répondre brièvement. Une des raisons. On n'étudie pas la Torah parce que Pikoudé, ça me relève. À Tisha B'Av, on ne peut pas étudier la Torah parce qu'elle donne de la joie. Mais le fait d'étudier la Torah, c'est aussi pour les Khadesh Ota. Comme tu es triste ce jour-là, c'est sûr que tu ne vas pas faire de Khidush. C'est là. Effet.
Est-ce qu'il nous donne un remès en disant que l'Aïd Bodé Doute, c'est mieux de le faire le soir? En disant ça, qu'il faudrait être sa merde. L'Aïd Bodé Doute, c'est mieux de le faire le soir, ça peut être très bien la nuit, ça peut être à tout moment. Il y a un appel à l'Aïd Bodé Doute. Moi, par exemple, je mets l'Aïd Bodé Doute des fois dans la voiture, en pleine journée. Des fois, je l'ai fait sans rentrer dans les détails, à 4h du matin dans mon lit. Des fois, je l'ai fait en marchant pour aller à un rendez-vous. D'un coup, c'est quelque chose qui m'appelle à parler avec Akadosh Baruch Hu. Moi, je fais l'ancienne chita, la chassidoute est venue nous apporter un rendez-vous avec Hachem dans l'Aïd Bodé Doute. Bizarrement, on va sortir dans la forêt, tout ça. Moi, j'ai lu dans les livres antiques, avant l'Aïd Bodé Doute, de ceux qui partaient dans les forêts pour parler avec Hachem, que par exemple, le roi David, j'ai un livre à la maison qui dit que le roi David faisait cette Bodé Doute avant de dormir ses Shishim et Shimot, par exemple. Moi, souvent, ma Bodé Doute, elle vient à un moment qui... Je vais changer ma phrase. C'est pas moi qui fais ma Bodé Doute, c'est l'Aïd Bodé Doute qui vient me chercher. Il y a des moments qui, en pensant, en parlant avec Hachem, alors bien entendu, c'est bien d'avoir, par exemple, le soir, avant d'aller dormir, un moment de réflexion. De remercier Hachem pour tout ce qu'il nous a donné, pour ce qu'on a vécu. C'est bien de parler avec Hachem. C'est le principal. Est-ce qu'on est obligé de sortir ou pas? Est-ce que... Le choba. Ah ben, c'est vrai que c'est mieux. Et pourquoi c'est mieux? Le fait de sortir dans la forêt, c'est pas que c'est la forêt qui va te donner l'envie de parler. C'est que tu vas être gêné de parler si tu as du monde autour de toi. Imagine la personne dans son lit, elle dit « Abba !» Sa femme, elle le tue. Mais si l'on fait une forêt qui crie « Abba !» Personne ne va le déranger. C'est-à-dire qu'il faut, falloir exprimer des fois un peu avec du son, avec un ilodem à crier. Moi, j'ai pas besoin de crier dans ma tête des doutes. Je ressens pas le besoin. Il y en a qui vont le ressentir. Qui le ressentent? En tout cas, il dit que la simcha apporte à l'homme une surprise, c'est qu'il sera capable, en lisant la Torah, de faire des chidushim. Que la simcha ou keli lishom nemshech ulkabel yada chidusha de oraita, car la simcha apporte en elle l'abondance, pas simplement des chidushim, mais regardez ce qu'il dit de l'autre côté, juste en face. Allez des simcha, écoutez bien. Donc je mets d'alek, je passe de tetzain à kavdalet. Allez des simcha notim chiduk hamalachim amekablim et shefa amaachalin. ומכניעין את השדים שלא ינקו מהשפע ביותר מהראוי להם. La joie est capable, pas simplement de donner la force de faire des chidushim en Torah, mais il dit que la joie, quand tu l'as en toi, elle est capable d'ouvrir les portes de l'abondance et d'empêcher les démons de te prendre cette abondance, si ce n'est que juste ce qu'eux ont besoin pour survivre, et que toi, tu en es le principal. En d'autres termes, le fait d'être en joie apporte pas choute de la parnassa. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire une personne qui ne va pas bien financièrement, tu dis, sois sa mère, il va te dire, mais comment tu veux que je sois sa mère, j'ai pas de parnassa. Justement, alors sois sa mère et tu auras de la parnassa. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. C'est bizarre. Parce que les anges de l'abondance ne sont tenus que par la joie de vivre de l'homme sur terre. Maintenant, depuis le don de la Torah, les anges sont dépendants des hommes. Et qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui donne de la force aux anges dans le ciel? Le fait que les hommes sur terre soient sa mère. Alédek dusha teret Israël zuchim levatala kaz ve'azvut. Ça, j'ai jamais compris, par contre. Ça, j'ai jamais compris. Il y a des choses que je dis que je comprends pas. Je sais ce qu'il y a marqué, hein, mais je comprends pas. Il dit que le fait de vivre dans la Kdusha d'Eret Israël, le fait de vivre en Israël, tu auras le mérite d'annuler la colère et la tristesse. C'est pas le contraire, de base? Ah, je parle de la terre d'Israël. Oui, mais... Oui, il dit que l'influence de la terre d'Eret Israël, mais bon, moi, je connais beaucoup de gens très coléreux et tout le temps tristes. J'ai du mal. Je veux bien, moi, lire, tu vois, mais j'ai une Torah de vérité à l'intérieur. Je reçois ce qu'il dit. Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit, je comprends pas ce qu'il veut dire. La majeure partie des gens qu'on voit sont souvent très coléreux et pas patients, et il y en a beaucoup qui sont tristes. Et de l'autre côté, c'est vrai que, grâce à lui, il y a beaucoup de gens qui sont... Les Israéliens, en général, sont assez joyeux. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dans l'ensemble, c'est vrai. Hein? Par exemple, aujourd'hui, il y a un séquard qui a été fait sur la jeunesse. Ok? Il faut savoir qu'en Israël, la jeunesse est une des plus heureuses au monde. Ouais, mais qu'est-ce qu'on appelle heureux, gros d'arabe? C'est, encore une fois, j'ai pas dit que on faisait Saint-Tropez ici, on faisait les Yeshivot ici. Mais c'est vrai que, de façon générale,
si on sort un peu du contexte Olé Khadash français, d'accord, c'est vrai que la jeunesse israélienne, moi je vois mes neveux, ils sont israéliens, je vois les vérités, ils sont très très contents. Il n'y a pas de lachat. Il n'y a pas de pression. Non, non, mais c'est vrai qu'ils sont heureux. Moi je vois mes enfants, ils sont heureux en Israël, ils sont bien. Voilà, on a un enfant avec nous. Comment tu te sens en Israël? T'as 15 ans, d'accord, mais alors comment tu te sens en Israël? Tu ressens de la colère? Tu ressens, t'as de la joie ici? Alors, est-ce que t'es heureux de façon générale? Oui, bah voilà, bah, c'est cool. Et toi, t'es heureux? Oh. Alors lui, j'aime bien parce qu'il me dit, ouais, bah bon, il y a un chiffre qui parle de lui-même. Je trouve que les gens sont heureux, ils font des enfants. Ah, quand on est heureux, on fait des enfants. En Afrique, ils vont trop aussi. On ne va pas répondre, c'est moi. Shadam, Shofet, Vedam, Atzmo, Al-Kodavar, Shosé, Al-Ede, Mevatel, Dinim, Jalab, Lemala. Comment atténuer les dinim dans le monde d'en haut pour être heureux? Écoutez ce que dit Rabbeinu. Kedé, Lemevatel, Dinim, Adam, au lieu de raconter ta vie. Écoute. Il dit. Comment une personne, elle peut arrêter les dinim dans le ciel? Écoute ce qu'il dit Rabbeinu, mais Od Ma'anien, parce que les dinim, c'est-à-dire la rigueur, la justice dans le ciel, quand elle s'abat sur l'homme, elle fait mal. Alors il dit, Shadam, Shofet, Vedam, et Atzmo, Al-Kol, Davar, Sheose, quand une personne se juge lui-même, et se rectifie lui-même, Al-Yedezé, Mevatel, Adinim, Sha'alav, Lema'ala, il va annuler les dinim qui sont dans le ciel, vis-à-vis de lui, Al-Yedezé, Zochel, Simcha, Gdola, et en annulant les dinim dans le ciel, il va, Baruch Hashem, produire de la joie à un grand degré. Hacheraken mechamat simcha. Jusqu'où? Jusqu'à en danser Baruch Hashem. Avashesh din chaz veshalom azay kashel eraken. Il dit, mais par contre, quand on est frappé du ciel dans plusieurs épreuves, il devient difficile de danser. Comment est-ce qu'on arrête d'être jugé difficilement dans le ciel quand soi-même on s'auto-juge? C'est là. Alors, cette phrase-là, pour moi, c'est la plus importante de toutes dans cette génération où beaucoup de gens, malheureusement, tombent. Ikar, Bgam, Abrit, tout celui qui n'arrive pas à arrêter Zera Levatala, de regarder la nudité des femmes ou la pornographie ou toute autre chose, vient du fait que ce sont des gens tristes. Voilà ce que dit Rabbi. Donc, tous ceux qui disent, je comprends pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, Perush Adavar, tout simplement parce que tu es triste. Si tu avais de la joie en toi, tu n'irais pas la chercher dans des ch'touyot. Vechen le efer, ikar shmirat abrit ou alede simcha. Et le plus grand bouclier pour être shomer brit mila, la Gemara nous dit c'est shmirat ha'enaim, Rabbe nous dit c'est shmirat ha'simcha. Garde ta joie et tu ne tomberas pas. Ka alede simcha zochim shashem dvar rabbe atzmo yazor lo lishmor et abrit. Car celui qui est sameach amène la shekhina sur lui. La shekhina c'est une lumière. Et la lumière est attirée par la lumière. La joie est une lumière. Quand tu as de la joie, tu as la shrina avec toi. Quelqu'un qui est heureux, qu'il sache que Dieu est avec lui. Quelqu'un qui est malheureux, qu'il sache que Dieu est loin de lui. Où est-ce qu'on apprend ça? De Yaakov Avinu. Ça veut dire quoi? Yaakov, il a été triste pendant toutes ces années où Yosef n'était pas avec lui. Il n'avait plus de Ruach HaKodesh. Il ne voyait plus rien. Il était dans l'obscurité. La shrina ne tape aux portes du cœur que d'un homme qui a de la lumière chez lui. Les mains d'avoir dormi. Imaginez que vous vouliez rentrer chez quelqu'un, vous regardez les maisons. Celle-là, elle est éteinte. Celle-là, elle est éteinte. Celle-là, elle est éteinte. Est-ce que tu rentres? Tu rentres pas? Mais tu vois une maison, il y a plein de lumière. Est-ce que tu tapes à la porte de Kef? Oui. Pourquoi? Parce que tu sais que s'il y a de la lumière, il y a donc quelqu'un dedans. Les Chachamim disent, quand quelqu'un est triste, à l'intérieur de lui, il n'y a personne. Donc Dieu, il ne rentre pas. Il n'y a personne, je ne veux pas taper à la porte. Avant que je vous s'améache, alors c'est bizarre parce que nous on a envie de dire le contraire. Nous on a envie de dire, ah tu sais quoi, quand Dieu il sera avec moi, je serai sa mère. Et Dieu te dit, non, moi je serai chez toi que quand toi tu allumeras la lumière. Donc qu'est-ce que c'est d'être heureux? Si c'est à nous de faire des choses, c'est une mitzvah hazak ou baruch. Mitzvah gdola liyot besimcha. C'est à toi de mettre les tefillin, c'est à toi de faire shabbat, c'est à toi de manger kasher, c'est à toi de respecter les lois du Shulchan Aruch, c'est à toi de faire. Alors il dit, Rabbeinu, sache que la mitzvah de la simcha, c'est une mitzvah. C'est pas stam philosophie. Tzarech lezer me'od ba'atzvut ve'atzvut ve'ikar neshichat ha'nachash ye'atzvut ve'atzvut al-hamana litzlan. Et il faut savoir que toute la faute originelle
du fait que le serpent ait mordu Ève et Adam, entre parenthèses, c'est une métaphore, c'est tout simplement qu'il a, il a rentré de la tristesse dans leur sang. Le plus grand venin de ce monde, c'est de la tristesse dans le sang. Et c'est ce que va faire le Satan. Le Satan va tout faire, tout le temps, pour forcer l'homme à voir le noir de sa vie et pas le blanc de sa vie, pour que, ainsi donc, quand il est touché par le venin de la Hatzvout, de la tristesse, il soit brûlé de l'intérieur. Il n'ait plus goût à la vie. Tout ça, c'est des épreuves qui viennent des forces du mal. Le Icar des épreuves, c'est de garder de la joie quand tout s'arrête pour soi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, je répète. Le Icar de la Simcha, c'est d'être capable de garder la même joie quand ça va que quand ça ne va pas. C'est ça le Icar. Ça veut dire que si un jour une personne dit « Mais pourquoi Dieu me met tellement à l'épreuve ?» Rabbeinu, il dit « Tout simplement pour voir si maintenant que tu es dans l'obscurité, est-ce que tu es capable d'être une lumière ?» Donc, est-ce que tu es capable de garder le sourire maintenant que ça ne va pas ? Tu n'as pas de raison de l'être. Zematarat anisayon. C'est pour ça qu'Abraham a écrit Abraham Aboker, c'est le bibit. Pourquoi ? Pour réussir son épreuve. Quelqu'un qui subit une épreuve et qui la subit pas dans la joie, c'est un très haut degré. Hein. J'imagine parfaitement que ceux qui nous écoutent disent « Mais attends, mais c'est vachement dur. » Racontez l'histoire de ce rave dont le nom m'échappe, qui avait perdu son fils à l'âge de 9 ans. Et qui était resté pendant 2 heures dans le bureau de la Chevra Kadisha à l'enterrement à Jérusalem. C'est Rabbi qui m'a raconté, mon rab. Pendant 2 heures, un monde fou dehors, les Yeshivot qui attendaient le corps de son fils dehors, et lui il attend 2 heures. Après 2 heures, il est sorti, ils ont enterré son fils, il a fait le Hesped, et à la Yeshiva, après les 7 jours, il y a un élève qui a dit que votre rab, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez pendant 2 heures dans le bureau, on était tous en train d'attendre? Et le rab, il a répondu, il a dit, vous savez combien c'est dur de perdre un fils? Vous savez combien c'est dur? Mais la Gemara nous dit, tout comme tu dois avoir de la joie quand tu as un fils qui naît, tu dois avoir la même joie si Dieu te le reprend. Et il m'a fallu 2 heures pour me vider complètement de toutes mes larmes pour accepter Be'ahava, l'épreuve que Dieu me donnait. Quand je suis sorti après 2 heures de Hidbo des doutes sur moi-même, alors je suis remercié. Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehi, Hachem, Hachem et Vorach. C'est Pérouche Adavar que toute l'histoire de l'épreuve de l'homme, c'est de savoir si maintenant que je te mets comme ça, est-ce que tu crois toujours en moi? C'est facile de croire en moi quand tu as un boulot qui t'attend, quand tout roule bien, ta femme, tu sais qu'à la maison elle gère très bien les choses, tes enfants ne saluent pas, voilà on part en vacances, la voiture est sur le parking, tout roule très bien. Bah oui, c'est facile d'avoir de la Emouna. Moi je t'en prie, Baruch Hachem. Je te prends ta femme, je te prends tes gosses, je te prends ton oseille, je t'envoie des trucs de la banque, je te sers de tous les côtés, vas-y, dis-moi Baruch Hashem, Zanisayon. C'est ça toute épreuve. Zanisayon. Juste quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je t'écoute. Pour prendre le même exemple du Rav qui perd son fils Razir Hashem, il peut continuer à croire en Kadosh Baruch Hu, mais il peut être triste. Je t'en chère, la Bichyash, il va l'espèce, on l'a dit. D'accord, on l'a dit, mais c'est-à-dire que il peut toujours rester, vous dites, il faut qu'il soit capable d'accepter Be'ahava et de dire, est-ce que tu es toujours Mamin Be'ahava? Moi je dis rien, c'est la Gemara qui le dit. Non, d'être Mamin Be'ahava, il reste Mamin, mais le sentiment de la tristesse, c'est quelque chose qui est dur à contrôler. Oh. Alors, ce que dit David, il dit, on peut très bien rester Mamin et avoir des coups de blouse. Ça, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on appelle un Mamin? Je sais pas. Il y a plusieurs degrés, c'est des cours où tu n'étais pas là. Où le Mahamin, il a plusieurs degrés. On peut effectivement être quelqu'un qui est Mahamin, et puis il y a même des mecs qui arnaquent au téléphone, ils ont même une kippa sur la tête, et qui arnaquent au téléphone, ils sont Mahamin d'Hachem. Excusez-moi de vous le dire, les gens confondent tout. Mazé Mahamin, de quel Dieu tu es Mahamin? Dieu a dit, faut pas arnaquer, faut pas mentir, faut pas prendre l'argent qui t'appartient pas. Alors c'est quoi cette émouna dont on parle? Non. Celui qui est Bémet Mahamin, quand est-ce que tu le vois? Quand il garde le sourire. Si tu es capable de passer des épreuves dans ta vie, que personne ne passe par cela, et que tu perds des gens que tu as aimés, que tu as été mis dans l'épreuve dans l'argent, que tu as subi des injustices, et qu'avec tout ça, tu gardes le sourire, et tu lèves les yeux vers le ciel en disant Hachem, comme un clin d'œil, je sais que tout ça c'est toi, et je sais que tout ça c'est pour mon bien, mais que tu le vis, pas que tu le dis. Écoutez bien les mots, que tu le vis, pas que tu le dis. Il y a plein de gens qui te le disent toute la journée.
Ouais, Gamzol et Tova, ouais, non, mais je sais que c'est pour le bien. Alors pourquoi t'es triste? Ne le dis pas, tais-toi, c'est mieux. La vraie réponse est, Yiratson, que j'atteigne le niveau d'avoir cette émouna. Zelo Pashut, c'est un travail d'une vie entière, pas de quelques jours, pas de quelques shiurim. Pour être capable d'arriver à cela, il faut une totale annulation de soi, de ses mochines. Et un cours qui, pour moi, sur les 1300 cours qui sont sur le site, est le plus important de tous. Ça s'appelle le cours sur l'Aïmouna qu'on a fait il y a quelques semaines. Seul l'Aïmouna te fera vivre. C'est un cours qui est très dur. Et là-bas, j'explique que le vrai niveau de l'Aïmouna, et surtout dans notre génération, ce sera l'Aïmouna où tu arrêtes de penser. Si tu penses dans cette génération avec tes épreuves qui sont les unes après les autres sans cesse, tu ne peux plus avoir d'Aïmouna. Tu ne comprends plus rien. J'ai la kippa, je vole pas, je suis à ma place, je fais des enfants HM, ma femme elle prend pas la pilule, je me lève tous les matins, je prélève le maaser, je... Dans cette génération, la Emouna, elle doit être du degré de je ne pense plus. Si tu penses, pour moi, t'es mort. C'est ce que je pense. Pour moi, c'est ce que je pense, c'est pas tout à fait de moi, hein. C'est du Rav Dessler, c'est du Rav Nachman. La génération d'aujourd'hui, la Emouna, doit être du degré de Vaïdom Aaron. Voilà. Si tu commences à penser dans ta hitbo des doutes sur pourquoi tu me mets dans cette épreuve, Hachem, Anilo Yodéa, si tu tiendras. Parce que, pourquoi je dis ça aujourd'hui? Quel rapport? Arrêt à l'époque d'Aaron, c'était aussi Vaïdom Aaron. Ça veut dire qu'Aaron aussi n'a pas pensé. Mais juste pour répondre à ça, vous allez comprendre. C'est que tous les Chachamim sont d'accord pour dire que la dernière épreuve sera celle de la Emouna. Ça, par contre, comme on est sorti d'Égypte, Vayaminu Bashem Moshe Avdo, il fallait de la Emouna pour sortir et suivre Dieu dans le désert. La dernière épreuve sera comme la première épreuve. Ce sera la Emouna. Donc sur quoi on est essentiellement mis à l'épreuve aujourd'hui? Sur la Emouna. Donc faut garder la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? D'être capable de garder le sourire même quand plus rien ne va. Ça, c'est la Emouna. Moi, je pense, encore une fois, j'en ai fait un cours qui pour moi est peut-être le plus important de tous, c'est que la Emouna d'aujourd'hui ne peut réellement exister chez nous que quand tu arrêtes complètement de penser. Sinon, je vois pas comment tu peux y arriver. Je vois pas. Oui, David. La tristesse amène absolument à la dépression. La dépression mène à quoi? Non. La dépression mène à quoi? À ne plus pouvoir penser. Je ne sais pas si tu as marqué. La dépression amène l'homme à ne plus pouvoir penser. On va trop penser. Tu comprends? En général, quelqu'un qui est en dépression, il ne pense plus. Enfin, il pense, mais il ne pense plus. C'est tout. C'est vrai oui. Qu'il pense, mais c'est tout tellement rempli de nœuds que c'est plus des pensées. C'est dans ce sens que je dis ça. Dans ce sens-là que je dis ça. Ken, Adam. D'un autre côté, quelqu'un qui dit « Akol Letova » mais qui ne le vit pas complètement. Quand tu vas dire « Akol Letova » parce que c'est la seule mitzvah, il ne faut pas être ton Rokevaro et la parole est créatrice. Et si c'est ton but d'être « Akol Letova » et Bessimra, tu n'es pas encore capable. Je parle Rabbi Moshe à la Vachalom, quand on allait le voir, Rabbi Moshe Ederi, quand on allait le voir, et qu'on disait, il te disait comme ça, alors mon fils, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Il dit, pourquoi tu mens? Moi, j'aime cette Torah-là. Adam, moi, je vais te répondre franchement. Moi, j'aime. Je peux te parler? Merci. Moi, j'aime cette Torah. Moi, j'aime cette Torah de sincérité. Tu vois, quelqu'un du Mashlamcha, il dit, Baruch Hashem, c'est la vérité, ça va, mais en réalité, ça va pas très bien. Parce que voilà, j'arrive pas à finir le mois, je sais pas comment je vais faire demain. Patati patata. Et les Chachamim nous envoient quelque chose de très sympathique. Très très sympathique. Et c'est quoi cette sympathie? En fait, une fois, le Rav Dinovitch avait dit dans un de ses cours quand on vient te voir pour te demander de l'aide, ne lui dis pas va au Kotel. On est venu te voir toi, que tu l'envoies chez Dieu. Parce que Dieu vit en toi, on vient te demander de l'aide. D'accord? Azlachen, bissi atad ishmaya. On peut dire ça va, on peut dire à Kol Beseder, enfin, quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Je ne vois pas pourquoi. Imagine, tu vas chez le médecin. D'accord? Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va très bien. Mais je te dis. C'est-à-dire que la sincérité... Adam, écoute bien ce que je veux dire, c'est très important à retenir. Le fait de dire que ça ne va pas, c'est une reconnaissance qu'on veut guérir pour que ça aille. Sinon, Dieu il t'aurait pas envoyé l'épreuve. Le but de l'épreuve, c'est de te mettre à l'épreuve. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, imagine le médecin maintenant, il prend ton bras... Je te parle là-dedans. Et il te le tord. Et tu t'as mal. Toi, tu dis non, pas du tout. Ben, mais te casser ton bras. Vous avez aussi appris que la mitzvah d'être joyeux, c'est la seule mitzvah où on n'a pas besoin d'être sur le taureau kebaro.
Non, ça c'est encore. Alors tu as compris, je comprends ce que je veux dire. Non, c'est... non, tu as dit Gamzo les Toba, encore une fois. Ne confonds pas les mots et la mitzvah de l'hypocrisie d'être sa mère. Effectivement, Rabbeinu il dit que c'est la seule mitzvah de tout le judaïsme où on a le droit d'être hypocrite. Ça veut dire de faire semblant d'être heureux. Mais dans l'absolu, d'accord, quand tu viens et que tu dis, par exemple, là, madame, il t'appelle les Tova. Alors, bien entendu, quelqu'un qui serait religieux en face de moi et érudit m'aurait dit, mais il faut faire attention. Donc, d'accord, il faut faire attention à ce que tu dis. Il ne faut pas dire, par exemple, à la panim. Ça, maman, il ne faut pas le dire. Moi, je t'en prends à la panim. Chazve shalom de dire des mots pareils. Mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est, Baruch Hashem, je t'abarche chez mon lad. Bon, je suis la vérité, je suis un peu secoué en ce moment. J'espère que ça ira mieux. Pourquoi? Parce que c'est ton degré. Si ça va pas, ça va pas. Par exemple, le mec qui va à la banque demander un prêt, ok? Comment ça va? Baruch Hashem, au contraire, si tu rencontres une personne âgée, voilà, je vais demander Bezrat Hashem de l'aide à la banque, priez pour moi, pour que ça marche, la mano, elle me vient. Enfin, moi, c'est la Torah qu'on m'a inculquée. Moi, c'est. Le Rav Aryeh, il a la même Torah, Rabbi Moshe Derer, la même Torah. Quand tu venais, tu disais, Baruch Hashem, tout va bien. Pourquoi tu mens? Moi, je me rappelle une fois, devant moi, ça s'est passé chez lui, chez Rabbi Moshe Derer. Et le gouvernement s'était abattu sur une famille entière, ils ont ruiné, à Paris ça s'est passé. Et comment ça va la femme avec son mari devant Rabbi Moshe Derer, sourire, il ne disait pas un mot et tout ça. Et Rabbi Moshe leur a dit, et la boutique, comment ça va? Et là, non, ça va, bon, il y a des hauts et des bas. Il lui dit, pourquoi vous mentez? Et là, la femme a explosé en larmes. Et Rabbi Moshe leur a dit, expliquez-moi. Et il y a eu ça et ça, et il dit aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ça doit être très très difficile pour vous. Et il leur a dit, écoutez, demain matin, voilà, il y a David qui est là, en parlant de moi, j'étais jeune à l'époque, quoique je sois vieux, mais bon. Il viendra me chercher à 10h, je vais venir dans la boutique et je vais vous faire quelque chose. Et Zek, il aura remonté l'affaire, je ne vous raconte pas. Il a fait quelque chose dans la boutique, ça s'est passé à Paris, rue... côté de la rue Turenne, un peu plus de la rue, le Méchanet. Et Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Ça rire, Bezrat Hashem, les Liot Emet. Faut être Emet. Faut être Emet. Il y a une différence entre une personne qui vient vous voir et qui attend uniquement que vous lui disiez, parce qu'il a besoin de se plaindre, il a besoin d'exprimer son problème. C'est ma choix rare. Quelqu'un va voir un médecin, c'est pas pour lui dire qu'il va bien, c'est forcément pour lui dire qu'il a un problème. Donc là, on parle pas de pas être sincère. Mais la personne que vous croisez dans la rue et qui vous dit « Akol Letova », mais et qui va, c'est tout, et qui n'a pas envie... Excuse-moi, moi si je rencontre quelqu'un dedans, je lui dis « Moi je suis en prêt » et qui me dit « Akol Letova », je m'inquiète beaucoup pour lui. Ah d'accord. Ah, je m'inquiète beaucoup. « Akol Letova », ça veut dire que le mec il va pas du tout bien. Il dit « Akol Letova ». C'est-à-dire « Akol Letova », tu sais quand est-ce qu'on le dit? Quand tout est mort. Voilà. D'accord? Akol Letova. Akol et Tova, ça veut dire que tout est Akol Ra, mais chez Akol Yetov. C'est ça, là? Ah ben, encore une fois, moi, c'est pas ma Torah. Celui qui veut suivre ma Torah, il doit être sincère pour se soigner. C'est ça, là? Le mec qui a le crabe, la maladie du siècle, qui dit non, j'ai rien du tout, tout va bien, excuse-moi, mais il finira très vite sa vie sur terre et en haut. C'est pour ça que Dieu nous a dit, quand ça va pas, on va chez le médecin. Et c'est en parlant qu'on trouve des solutions. Parce que, comme le dira Benou, des fois, ta réponse et la clé de ton problème se trouvent chez l'autre. C'est pour ça qu'un ami doit avoir un ami, il doit avoir un rab, il doit, Bezrat Hashem, trouver des solutions. Et ainsi donc, en entendant, ah, t'inquiète pas, c'est ça ton problème, viens, je vais t'emmener chez quelqu'un qui va t'aider. Viens, je vais faire ceci. Sinon, il n'y aurait plus de minutes rassadim sur Terre. Imagine, on serait tous comme toi. On ne parle pas de moi. Non, non, mais imagine, on serait tous comme toi, que quand on te serre la main, on a l'impression de serrer la main à Gamzo et Tova. Ouais, on pourrait plus aider personne. Ce serait terrible. Alors, rappelez-nous de détester les médecins. En tout cas, c'est un yann. À l'aider, Marash Chora, Béatzout, Amo, Achladat, Bilgalout, Kachelo, Yachev, Da'ato, La Chouva, La Chem. Il est difficile de faire une vraie Chouva quand on est triste. On met Hamad Zé, Oura, Hok, Machem, Barach, il s'éloigne d'Hachem parce qu'il va plonger justement dans le désespoir. Et une fois que les portes du désespoir sont sous ses pieds, il va carrément aller faire les plus graves Averot auxquelles il n'aurait jamais eu affaire s'il avait été confiant. Kika. Et on perd même le but de la création du monde pour lequel Dieu a créé le ciel et la terre, de toutes les nations du monde qui ont perdu d'une certaine façon le but ultime du pourquoi le monde,
parce qu'ils sont tristes. Aval al yedei simcha moach meyushav. Mais il faut savoir une chose, voilà ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos de la dépression. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Par le biais de la joie intérieure, un homme a un esprit sain et objectif. Qu'est-ce qui provoque chez les nations du monde la haine, la guerre, le racisme, tout ce qui peut s'en suivre, c'est la tristesse du pays. Car la liberté de l'esprit vient de la joie de vivre. Il dit pas ça. Écoutez comme c'est beau. Il dit que l'esprit ne descend pas en galoute quand elle est heureuse. Et ainsi donc, qu'il ou imit kasher l'eret Israël. Sachez que la Géoula viendra essentiellement par le biais de rester en joie dans la dernière génération. Yashuv el Hashem. Donc, quelle est la première mitzvah pour Rabbi Nachman de Breslev qu'un homme doit faire avant de commencer à pratiquer les mitzvot? C'est ce qu'il dit. Non, c'est quoi la première mitzvah de la tshuva? Non. Simcha. Il dit d'abord, tu fais le travail que tu as en toi, Baruch Hashem. Que Dieu donnerait Foua Shlema, Bezrat Hashem, pour Asher Jami. La dernière fois, j'étais en train de parler avec lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais? C'est tellement mal. Il m'a dit, j'aimerais marcher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il a dit, je voudrais marcher. Nous, quand on se lève, là maintenant, à 9h après le cours, on se lève, on va sortir dehors, on va faire... Top. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il faut se nourrir, il faut avancer. Les enfants sont en vacances, il faut que j'achète les habits, il y a les cartables pour l'entrée. On a oublié juste un détail. Nous, on a pu se lever. On a oublié juste un détail. J'ai une personne qui regarde les cours à Jérusalem. Quelqu'un qui ne voit pas, qui est aveugle. Il a une maladie dans les yeux et depuis il est devenu aveugle. Lui, il m'a dit un jour, je serais prêt à prendre tout, entre guillemets, les épreuves des autres, juste tu me rends la vue. On ne se rend pas compte la force et la richesse que c'est de voir. On ne se rend pas compte la richesse de ce que c'est se lever sur les jambes et de marcher. Tu te rends compte que tu marches? Je marche, je marche. C'est un dû. J'ai une personne qui m'a dit, voilà, il y a un mois de cela, ils vont m'enlever les intestins, ils vont me mettre une poche à vie sur le côté. Ça veut dire que quand cette personne voudra aller aux toilettes, elle fait dans une sacoche toute sa vie durant qu'elle doit les vider, nettoyer dans des odeurs Hachem Shmur Virachem. Nous, on va aux toilettes. Nekavim, nekavim, halulim, halulim. Nous, quand on va aux toilettes, on peut s'asseoir et on peut se lever. Quand on mange, on avale et on digère. Tout ça, c'est des richesses qui sont amplement suffisantes pour qu'on danse dehors. On danse dehors. Non, on le vit comme un dû. Bah écoute, je vois, je marche, je m'en fous de ça, je te parle pas de ça, je te parle de ça. Non. Si tu es capable de dire, Baruch Hashem, j'ai tellement de raisons d'être heureux, regarde, je suis en bonne santé, alors tu as des raisons de construire dessus tout le reste. Mais si tu n'es pas conscient de cela, si Dieu te dit, en te donnant une telle richesse, tu n'es pas capable d'être heureux, pourquoi je te donnerai le reste? Ce n'est pas une preuve que tu seras heureux. Vous comprenez? Je me souviens quand la moto était tombée sur ma jambe, pendant 2 mois je suis resté avec un plâtre. Vous vous rappelez de cette époque? Et j'ai beaucoup souffert. Parce que j'habitais très 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 loin et c'était pas évident de venir jusqu'au Beth Midrash faire les cours. J'ai pas annulé de cours. Et quand on m'a enlevé le plâtre après 2 mois, et j'ai commencé à poser ma chambre, mon pied, je me rappelle, sur la première marche et que je me suis levé dessus, je dis, ouais, c'est génial, j'arrive enfin à marcher. Pendant une semaine et demie, j'étais ma mâche, sa mère de marcher. Je sais pas si on se rend compte. Ah ben nous, il te dit, c'est sur ça que tu dois placer ta simcha. Par exemple, toi, tu vois, quand tu rentres à la maison, t'as ton père et t'as ta mère. Ethan, range ta chambre. Ethan, fais ceci. Il y a 2 jours de cela, à l'enterrement, un garçon plus jeune que toi venait de perdre son père. Il n'y aura pas Ethan, calme-toi. Ethan, reste tranquille. Il aimerait bien l'entendre. T'es un homme très riche d'avoir ton père à la maison. Seulement, c'est un dû. Ouais. Bon, tu vois pas, il y a mon père à la maison.
Il n'y a que quand on perd ce que l'on a, qu'on se rend compte de ce qu'on avait. C'est ça ? Bon, c'est pas un cours Asra, c'est un cours sur la joie. Donc, mais non, mais... Non, mais, encore une fois, il faut être conscient que tout ce qu'on a, c'est pas un dû, et que, Baruch HaShem, il y a tellement de quoi être heureux. Ceux qui vont mal et qui écoutent ce cours, ok ? Vous voyez, mais vous rendez compte ce que c'est de voir. Vous avez la chance de voir des paysages. Tu sais, le mec qui est en prison, il n'a pas de soucis d'arnona, il n'a pas de facture à payer, il n'a pas de problème de shalom bayit, il n'a pas de problème d'éducation. Le mec, il est en prison, il est nourri, blanchi. Il est en prison, il est tranquille, on lui dit quand elle sort son petit tour et tout ça. Mais vous saviez combien il donnerait pour être à votre place dehors ? Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, Malzekol Kachachouv. Il fait son lit, il fait pas son lit, on lui prend pas la tête, il prend un bouquin, il s'assoit, il fait rien de sa vie, moi j'ai pas de problème. On le nourrit. Il a des copains en prison, il fait même du sport. Vous savez combien il donnerait pour être à votre place dehors ? Il me dit, mais toi t'es libre, tu peux marcher où tu veux. La Perusha Davar, que Bezrat Hashem, celui qui veut être sa mère, d'abord. Il remercie Hashem pour tout ça, que Dieu lui donne tous les jours. Et seulement après, il peut demander le reste pour mieux servir Hashem. Mais d'abord, est-ce que tu as la base chez toi de Simcha ? Les Breslavim, ils disent Baruch Hashem, Ani Noshem. C'est ça, non ? מצווה הגדולה להיות בשמחת אמת וצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להרחיק עצבות והמרה שחורה ולהיות אך שמח תמיד. C'est une mitzvah gdola d'être sameach tout le temps, à un tel point qu'un homme doit enlever de lui toute pustule de atzvut, de tristesse de son cœur, et de la mara shchora, celle qui tourne à l'intérieur de son estomac. Vehu refua lechol mine cholaat. Et sache une chose, que le plus grand médicament pour toutes les maladies de ce monde, c'est la joie de vivre. Kol mine cholaat ba'en mi atzvut o mara shchora. Car sache une chose, quand la maladie te frappe, c'est parce qu'en toi il y avait déjà de la tristesse. Et je te conseille de te remplir de joie par toutes sortes de conseils. Et là, Rabbeinu nous dit quelque chose de très très fort. Et si pour te rendre heureux tu dois faire des bêtises, c'est des trucs bêtes, fais-les! Comme une calipette, comme... je sais pas moi, tu prends une guitare, tu te mets un chapeau, tu fais si c'est des bêtises comme ça, ça veut dire lâche-toi un petit peu. Si c'est ça, oui. Il faut bien préciser parce qu'il y a des bêtises. Rabbeinu il dit, Val Pirov al yede mile dishtuta, mazé dishtuta, ça veut dire que même si tu dois venir à faire des choses qui sont bêtes. Des choses qui quittent le côté un petit peu, je fais attention à ma conduite, je fais attention à ce que je dis. C'est-à-dire que tu te lâches un peu, bien entendu, sans vexer personne, sans dire de mots mal élevés, tu restes dans le contexte de la halakha. Tu restes dans le contexte de la halakha. C'est-à-dire de ne pas aller dans des endroits, jamais je suis en virahem, comme le cinéma ou autre. Tu restes dans le contexte de la halakha. Ouais. Mais de l'autre côté, tu te lâches un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire une partie de tennis, tu vas faire une partie de pétanque. Bon, ça peut être algérien pour ça. Tu vas faire quelque chose qui sort du contexte. Des shtuta, c'est-à-dire que c'est une shtut. C'est pas quelque chose qui va t'apporter. Je sais pas, moi, une fois, j'étais avec un très grand rav, je donnerai pas son nom, mais un très très grand rav, Tamit Racham Atsum. D'accord ? Et il a fait quelque chose devant moi, Bémet, qui m'a choqué. Ça s'appelle Maase Yeladim, une action d'enfant. On était en train de marcher, parler de Torah, c'était à Jérusalem. Et on prend le virage sur la droite. Et il y avait un poteau. Et le rav se jette sur le poteau, comme un enfant, et il fait le tour. Je l'ai regardé comme ça, il a éclaté de rire en me voyant étonné. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça ? Il m'a dit, pour voir ta tête et rigoler. C'est pas un Breslev, c'est un Kipas Ruga du Machon Meir. Et j'étais vraiment choqué. Et, tu sais, tu parles de Torah avec quelqu'un et un poteau, mais c'est un enfant de 5 ans qui fait ce genre de bêtises, tu vois. Tu te jettes sur le poteau, tu fais le tour du poteau, et t'atterris, et il me regarde. Il m'a dit, rien que pour ta tête, je voulais rire. Ça s'appelle exactement ce que dit Rabbi. Il y a des moments où il fait, massage tout de suite, truc des enfants. Ouais, c'est un truc d'enfant. Aval, bien entendu, alcool, alpi, alakha. Alors, si des fois tu vas faire des petites bêtises, ou allez, hein. Par exemple, je veux dire quelque chose de bête. Allez, je me lâche. Aujourd'hui, il y a la maladie depuis à peu près une vingtaine d'années des jeux.
des manettes là, comment on appelle ça? PlayStation, d'accord? Si la personne, des fois, elle est triste et tout ça, et qu'il y a un match de foot, les gens sont malades du foot, une génération d'Avodazara du cadeau régal. La vérité, c'est impressionnant de voir à quel point ce sport est devenu une chose essentielle pour l'humanité, carrément. Le mec, il est pieux. Ça va te faire du bien. Tu vas décompresser. Va faire une partie, là, avec les manettes, là. Ouais, j'ai mis un but, t'as marqué. Hey, là, hey. Si c'est ça ton truc. C'est shtout. C'est bitoul Torah, mais c'est pas grave. Parce que bitoulo zeukiyumo. Le fait de l'annuler, c'est pour mieux la revivre. Il y a des moments dans la vie, un homme doit se connaître. Je me rappelle il y a très longtemps de ça. J'étais avec une personne qui étudiait en yeshiva. Et avant d'avoir fait tchouva, il jouait au poker. Il jouait au poker avec de l'argent. Et ça se passait à Jérusalem. Et à un moment, il était comme ça, pas très bien. Et il a eu des copains, lui ont dit, viens, on fait une partie, tu vois, on fait une partie poker, t'as l'air triste et tout ça. Il a dit, non. Chazbe shalom, les cartes, edout, machin, truc chouette, c'est la sourde et pas sous les edout. Et je lui ai dit, écoute, bon, pas jouer, va jouer une partie. Ben. Une, hein, pas deux. Il est revenu, mazé sa mère. Il me dit, je les ai éclatés. Puis là, je te rappelle quand. Non, commence pas à rappeler le passé. Ah, va, ça t'a fait du bien. Allez, va étudier maintenant. Il y a un moment, il faut mettre le sel sur la table. C'est ce qu'il dit Rabbi. Il dit, maman, fais une shtout. Voilà. Je me rappelle, j'étais aussi avec un très grand rav. Je ne vais pas donner ce nom, un grand mekoubal. Et je vous parle de ça il y a 25 ans en arrière. Et on était en train d'étudier à Yeshiva, le Meshane. Et Stan Merav, à l'époque. Il y a plus de 25 ans, il y a 30 ans. C'était toujours au Machon Meir. Et le rav nous a dit, viens faire un tioul. Et d'un coup, je vois ce rav que je connaissais étudier à Yeshiva de Bethel, chez le rav Israël. À l'époque, c'était le rav Gez qui était là-bas. Je le vois venir avec des pompes spéciales, montagne, short, spéciales, montagne, trucs. J'ai explosé de rire. Touche pas un poil de sa barbe. J'étais mort de rire. Il me dit, écoute, hein, quand on vient pour gravir l'Himalaya, tu vois pas, c'était une petite colline à monter dans le nord d'Israël. Les vacances, c'est bizarre. Ça s'appelle Massechtout. Ah ben, ça redonne une pêche extraordinaire. Hein? Tu fais un foot. Allez. D'accord, Adam? Et voilà ce qu'il dit. Tzrichim nishtadela foret kol adavot dagot le simcha. Car tout le but des dagot, c'est quoi des dagot? Tout le but des soucis, c'est de les rendre de la joie. Pour ça, il faut être tunisien. Tu connais, tu sais comment ils font les Tunisiens quand ils ont des problèmes? Je vais te dire comment ils font. C'est un mec qui doit de l'argent à l'autre. D'accord? Il dit, quand est-ce que tu me rembourses? Tu comprends? Il lui dit comme ça. Et lui, il lui a dit jamais. Qui c'est qui est devenu triste? C'est l'autre. Et il a mis le problème chez l'autre. Ça te fait rire. Non, c'est une histoire qu'on raconte en Tunisie. Tu vas l'utiliser. Ou Israélien. Une fois, j'étais à la banque, je parle de ça, c'était un Netivot, banque à Poalim. Je rentre avec un copain qui s'appelle Asher Lomeshane, comme ça. Il devait 100 000 shekels à la banque. Dès qu'il rentre, c'est qu'en Israël, il y en a deux pour qui le directeur se lève dès qu'il rentre. Les très riches, ceux qui doivent beaucoup d'oseille. Dès que tu rentres, le directeur il se lève. Hop, il t'attrape. Et je rentre avec lui à la banque, et d'un coup, le directeur, il voit, il se lève. Il dit, Asher, moi, je t'en prends là. Il lui dit, comment tu le prends la tête, quelle est la condition que tu nous donnes et tout ça. Et je le vois, il va à droite, il lui dit, t'inquiète pas, je vous mets en garde, ça ne peut pas continuer comme ça. Et on sort de la banque, et il est mort de rire avec moi. Maintenant, moi, j'ai eu une peine, je parle de ça il y a très 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 longtemps, c'est comme tu dirais 400 000 shekels aujourd'hui. Et je lui dis, t'as dit, Asher Ata Yashem? Il me dit, Ken, Ani Ken, Avalulo. Tu t'arrives à dormir la nuit? Il me dit, moi, je dors très bien. Apparemment, le directeur, il dort pas bien. Tu as raison de le dire. Les problèmes prendront toujours la proportion et la dimension qu'on veut leur donner. Un col bécédère. Ce qu'on n'a pas le droit, par contre, de faire, c'est de dire comment je vais faire avant la fin du mois. Ça, c'est vraiment un manque d'émouna. C'est même un Khilou Lachem de dire une chose pareille. Que le Rourou, il n'a pas besoin de 3 semaines pour t'envoyer de l'oseille. T'envoies au moment où il faut. T'as ma'amin, al-tam-fahed. Il sait exactement ce dont tu as besoin, Hachem.
נכון? לכן האדם בעזרת השם יסמוך על הקדוש ברוך הוא, יפסה השתדלות, יפסה סונקלי, והשם יעזור. השם יעזור. Voilà, il y a une phrase pour toi, Adam, ici, de Rabbeinu. Il dit, « Tzarich lechaven machshavto l'istakel tamid al shoresh hakol. » C'est pour toi, ça. Tu dois t'efforcer de regarder toujours la racine de toute chose. « Shesham u shoresh kol atovot jasasmachot. » C'est quoi la source de toute chose? C'est que comme Dieu n'envoie jamais de mal, il envoie que du bien, tout ce qui t'arrive, c'est toujours le bien. Ah, ça y est, Adam, il est heureux. « Vaz ochal ismor bismrak dola meod meod. » Car une personne qui sait que Dieu ne veut que son bien, ne pourra jamais être triste même des épreuves que Dieu lui envoie, puisque c'est que pour son bien. Car le fait de regarder... Je peux te poser une question? Non. Une seule. C'est quelqu'un qui me chauffe depuis 8 ans que je suis avec toi. Je ne te souhaite pas de passer par mes épreuves. Parce qu'il n'y a que quand on a un grand coup sur la tête qu'on voit réellement si la Emouna est là. C'est ce que dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit que toutes les épreuves viennent taper au cœur de la porte d'un homme pour lui prouver où il en est dans sa vraie Emouna. C'est ça? Quand une personne perd une femme, quand une personne enterre son fils, quand une personne est ruinée jusqu'au dernier sou, j'aimerais l'entendre dire « Gamzo letova ». J'aimerais l'entendre. Mais quand on a sa femme à la maison, que la parente s'est bécédère, qu'on est bien soutenu, que le travail marche bien, tout est facile. J'ai dit en araméen. Qu'est-ce qu'il y a en araméen? J'ai dit en araméen. Je veux dire, Gamzolé Tova, c'est une lachon à Kodesh. C'est un émet de la lachon. Il lui dit en araméen. C'est Khatsi émet, Khatsi. D'accord. Si je me permets. Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. C'est le niveau que j'aimerais. Ah, il fait tchouba, non, ça y est, c'est pas son niveau, c'est lui qui voudra atteindre. Shalom et Torah, O Shem Mitzvah, Simcha Gdola, Ad Shem Erakel, Mechamat Simcha, U Ma'ale Gdola. Rabbeinu, il dit, et c'est cela toute notre Torah. Quand tu étudies la Torah, et que tu fais une mitzvah, dans une joie intense, au point d'en danser, sache que tu as atteint le plus haut degré de tout le judaïsme. U Ma'ala Gdola, Me'od U Ma'ale, Metaken Bazet, Kol Adibur Imraim, écoutez bien le chidush d'aujourd'hui. Toutes les mauvaises paroles que tu as sorties de ta bouche feront leur réparation le jour où tu seras capable de danser parce que tu as étudié la Torah ou fait des mitzvot. Gamunita ala bemamon. Et sache que grâce à cela, tu vas grandir énormément ta parnassa. Ve ou mit ale bemamon. Nit ale sera bemamon. Ve chol tom predora et tanit alim. Et pas simplement cela, le fait de pratiquer la Torah et les mitzvot au point d'en danser et d'être heureux de les pratiquer permettra à ceux qui soutiennent la Torah d'être encore beaucoup plus riches. Gam zochel et banim. Et sache que si Bezrat Hashem, donc une grande ségoula pour avoir des enfants, d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, mamash besimcha, zochel et banim scharim. Tu auras des enfants. Gam alum taken et taimuna. Et tu viens réparer réellement le niveau de ta emuna. Gam kol madregot atartonot nit alim al yedesimcha Torah. Et plus que cela encore, les plus bas degrés de ce monde montent tous avec toi, car toute la terre est réparée par la Simcha. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, toutes ces épreuves sont venues sur toi parce que tu n'as pas travaillé Hachem dans la joie. Si tu travailles Dieu dans la joie, alors tu répares absolument toutes les olamot, y compris la santé, y compris tout ce qu'il y a sur terre. Souvent quand on est une personne malade, au point de mourir, on demande, qu'est-ce que je vais prendre comme mitzvah? Ma réponse, selon Rabbeinu, avant de prendre sur vous une autre mitzvah, d'abord commencez à vivre dans la joie, déjà tout ce que vous faites. Puisque Rabbeinu dit, si tu fais ça dans la joie, et c'est ce que dit le roi David, « Ivdu et Hashem bisimcha bo'u lefanav birnana » Travaillez Dieu dans la joie et venez devant lui en chantant. Si tu viens faire ça et que tu étudies « Mammash » dans une grande ta'avout, donc pour ceux qui ont des problèmes de parnassa, travaillez « Mammash Hashem » dans la simcha. Et quand est-ce que tu vas savoir si tu es dans la joie? C'est très simple. Tout ça, c'est des baromètres que Dieu nous envoie. Il va t'envoyer un noudnik qui va être à côté de toi, qui va t'énerver. Quand tu es heureux, sachez une chose. Quand tu es réellement heureux, rien ne te dérange. Excusez-moi de vous le dire. Quand quelqu'un est sa mère, mamash, il n'y a rien qui peut te déranger. C'est ça? Donc quand des fois tu fais quelque chose dans la joie,
Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va te faire asseoir à côté de toi quelqu'un qui va te faire le requin quand il prie, tu sais. Tais-toi. Ah ben quand t'es sa mère, tu peux même pas t'en souvenir là, le pauvre. Tout ça, c'est des nissionnotes. Et Rabbeinu nous dit, de toutes les mitzvot que Dieu nous a données, la plus dure de toutes, c'est celle-ci. D'être capable de travailler Hachem dans la joie. Et c'est à toi, dans ta avodat Hachem, de chercher tous les moyens pour savoir comment je vais avoir de la joie dans chacune des mitzvot que je vais faire. Donc va me voir Alpirov qui yev shaliot besimcha qui m'a aidé mille dishtuta. Et il répète une fois de plus. Et on sait, et par Nisayon, je vous le dis, il n'y a que quand des fois tu te lâcheras. Donc n'oubliez pas un détail. N'oubliez jamais ce détail. Il faut avoir beaucoup d'humour dans la vie. Adam, l'homme, il doit être rempli de beaucoup d'humour. Rabbeinu, il dit que le tremplin pour arriver à avoir de la joie dans l'accomplissement des mitzvot et de la Torah, de l'étude, c'est d'être quelqu'un qui soit complètement naturel. Ne te la joue pas. Sois toi-même. Tiens, t'as envie de rire, rire. T'as une blague à raconter, lâche-toi. Ah, attention, t'es pas Rabbi Yochanan, Habibi. T'es pas Rabbi Yochanan qui toute sa vie n'a jamais dit une parole de chol. Moi, tout ce que je lis ici, la vérité, je vois Rabbi Moshe Deri. Une fois, j'étais à côté de lui, et j'ai voulu lui faire un Dvar Torah. Il m'a dit, t'as pas une blague? Je te parle de Torah, tu me dis, t'as pas une petite blague? D'abord, tu me fais rire. Eh, Torah t'émette. On joue beaucoup au rôle du religieux. On joue beaucoup au rôle de celui qui... Moi, non, moi, tu comprends, moi, non. Moi, je vais jamais aux toilettes, je ne rote pas, je ne... Habibi, t'y es atteint. Dieu veut des humains, il veut pas des anges. De l'autre côté, il faut avoir une conduite propre, Hazv Shalom. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Sec? Ah, une Torah qui est mal enseignée ou mal étudiée peut rendre une personne sec, désagréable et plus que ça encore. Invivable. Inassociable. Insatiable. Voilà, j'ai bientôt fini l'obligataire. Sachim la mshikh ala tfon simcha bishat atfila. Ou shi yitpale bisimcha bichem bishat asiyat amitzvot. Mikol sheken, bechol sheken, bishabbat. Beyom tov. Particulièrement pendant la prière. Lo yavol yitpale bekoved rosh. Faut venir avec un cœur, la tête en bas. Aval le cœur rempli de joie quand tu te trouves devant ton créateur. Et surtout le shabbat et yom tov. Combien il faut être heureux pendant ces jours-là. Argam kadmime achol bechol ayom. Rabbeinu dit non, pas que Shabbat et Yom Tov, chaque jour de Chol, Mizvak de l'Aliyot Besimcha Tamid, il y a marqué. Où est-ce que c'est marqué? On a posé la question à Rabbeinu, il dit, où est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est une Mizvak d'être tout le temps heureux? Il a répondu à Rabbeinu, mais c'est ça toute la Torah, elle ne peut pas être dans la Torah, puisque la Torah est comprise dans cette Mizvak-là. Valé démarrage, Chorabé Atzout, Enyo de Mishmo, tu ne connaîtras jamais Hashem si tu es triste. Elle est déjà Adam Samech, elle est déjà Ouya Chol, Lichyot Adam Acher. Why? Écoute, Adam, c'est pour toi. Par le fait d'être tout le temps Sameach, tu auras le mérite de te redonner de la vie à tous ceux que tu rencontreras. Dieu te donnera un salaire. Le fait d'être tout le temps Sameach, quoi que Dieu te fasse. Akadosh Baruch Hu, il te dit, puisque toi, tu cherches à être Sameach, chayecha que tu donneras de la joie aux autres. Est-ce qu'il y en a qui peut sortir, Adam, s'il vous plaît? Shehu davar gadol meod. Écoutez bien, Rabotai. Shehu davar gadol meod, il dit. Les sameach levav bene Israël. Si tu savais quel salaire Dieu réserve à celui qui donne de la joie à ses frères juifs, on passerait notre métier à donner de la joie à chaque juif sur terre. Faire collection des sourires. Donner de la joie. Maintenant tu vas bien, tu es heureux. Il dit Rabbeinu, c'est ça la Ahavatrinam. Il veut montrer les dents blanches. Le mec il a les dents jaunes, il ne sourit pas.
Car la majeure partie des hommes sur terre sont remplis d'épreuves, de soucis, de malheurs différents. Et ils ne viennent pas te raconter en détail les malheurs de leur vie. Qu'à la maison, ils n'ont pas d'amour. Les femmes ne donnent pas tout le temps de l'amour à leur mari. Ni les maris, des fois, ne donnent pas d'amour à leurs femmes ou à leurs enfants. C'est une énorme souffrance. Combien sont bêtes ces blocages de l'esprit de ne pas être capable de dire « je t'aime ». Combien sont bêtes ces gens qui ne savent pas tendre leurs bras pour serrer l'autre. Vous ne pouvez pas savoir combien l'énergie de l'amour, quand on se serre dans les bras, peut soigner des plaies intérieures plus fortes que n'importe quel autre médicament. Chaval de tomber sur ce genre de situation. Si t'as pas d'argent, moi t'as de l'amour à la maison. Si t'as de l'amour à la maison, Dieu t'envoie la parnassa. Quand tu rentres à la maison, tu vois ta femme. Non, moi j'ai pas l'habitude de serrer mes enfants dans les bras. Mais d'où tu sors? De quelle planète tu viens? Mais tu sais que tes enfants, ils ont besoin d'amour? Tu sais qu'ils ont besoin de tes bras? Bon, avec du déodorant quand même, mais... Mais vous vous rendez pas compte? Quand je parle avec des hommes, ça va à la maison, tout ça? Ouais, non. Ta femme, elle te serre dans les bras? Ah non. Alors je vais voir la femme. Non, mais moi, j'ai pas l'habitude. Eh ben, t'es pas né avec des dents, ils ont poussé. Ben, tu la prends l'habitude. Mazal d'orimel. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans amour, vous êtes au courant? On ne peut pas vivre sans chaleur humaine, vous êtes au courant? Lachen gvirotai verabotai. Quand vous serez dans votre intimité, n'oubliez surtout pas une chose. Serrez-vous très fort dans les bras. Serrez-vous très fort dans les bras. Comme si tu expliquais à l'autre sans parole que tu ne peux pas vivre sans lui. Au moins, il aura la force de main de savoir pourquoi il se bat. Mais s'il n'y a pas d'amour, pour qui il va se battre? Pour que tu fasses tout le temps la tronche? Mais quand tu vois une personne qui donne de la joie et redonne de l'espoir à tout le monde en une seule fois, vous, d'avoir gadol meod. Et ça, c'est le tachlit, il dira ben, ou ça, c'est la chose la plus grande qui soit dans ce monde. Écoutez bien cette phrase de Rabbeinu. Tout celui qui sauve une âme dans ce monde a sauvé un monde entier. Tout celui qui donne un sourire à un juif est comme si qu'il l'avait fait naître lui-même. Je vous lis la phrase en hébreu, vous voulez l'entendre? Regardez comme il le dit. Quand tu es capable de donner une réponse, un sourire, d'enlever une inquiétude à une personne, tu es considéré comme étant Mechaye Metin. Tu as fait une résurrection des morts. Ça veut dire que quand tu prends sur toi la misva d'être sa mère, tu deviens primat dargat, mechaye metin. Pas besoin de dire aux morts, mamash, lève-toi. Avant de t'occuper de ceux qui ont quitté de ce monde, occupe-toi de ceux qui sont en transition entre ce monde et l'autre, tellement ils sont dans le noir de leur vie. Ah bah, je vous le dis, je vous le répète, Garbotaï. On a tous le devoir aujourd'hui de se remettre en question sur ce détail particulier. Avant de parler de l'amour du prochain, de l'un et de l'autre, d'abord qu'il y ait d'amour dans nos couples. D'abord qu'il y ait de l'amour dans nos regards, dans nos paroles, dans notre chambre. Dans notre chambre. Faites vivre l'amour. Et arrêtez avec les côtés, je peux pas, j'ai un blocage. Eh ben débloque-toi, prends du desktop, il y a bleed. Allez, à Simran et Tsunim Mitad Banim Chaz Veshalom. Et par le biais de la joie, une personne évitera la mort de ses enfants. C'est avec ça que finira Benou sur le char de la Simcha, en espérant que Bezrat Hashem, encore une fois, ce genre de cours ne peut être vécu dans le cœur de l'homme que s'il écoutait à maintes reprises. Sachez-le. Une fois, ça donne du bonheur pendant une heure, après on se casse, et les soucis reviennent juste derrière la porte qui nous attend. Aval, quand on l'écoute au moins une fois par mois, ce genre de cours de Rabbeinu Bezrat Hashem, eh bien on est capable de plus vivre cette Torah-là et de savoir que Baruch Hashem, Aninoshem, Kol Tov.